Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous saluons au nom du tabernacle de Dieu de Long Island, TDLI, et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes là pour offrir à Dieu notre adoration, notre reconnaissance. Nous allons faire de ce moment un moment béni
par Dieu, certainement il sera. Nous vous invitons à chanter avec nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 73, section française des Mélodies joyeuses. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus son roi bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur. Ce chant sera chanté par une chorale en langue anglaise, mais certainement nous allons chanter ce chant en français dans le recueil des Mélodies joyeuses. Chantons à la gloire de Dieu. Et après ce chant, Pasteur Dormé nous conduira en prière. Amen.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invitons le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit à prendre place au milieu de nous. Créant Dieu. Ô tendre Père céleste, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur, que nous nous approchons encore une fois ce matin par devant le trône de la grâce pour nous joindre aux anges et aux archanges, nous joindre aux chérubins et séraphins qui se prosternent à tes pieds bénis. Oui, nous voulons, avec eux tous, mêler nos voix pour t'offrir, ô Dieu notre Père, un concert de louange, de gloire et d'honneur. Nous réclamons ta présence en nous et au milieu de nous. Puisses-tu, ô mon Père, agréer ce culte que nous sommes venus t'offrir, que les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers ton trône comme un parfum de bonne odeur. Et te sera agréable. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus, que notre Sauveur, à qui reviennent, comme à toi et au Saint-Esprit, la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, et avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Hallowed be. Hallowed.
Amen. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 19. Et frère Oscar et sœur Eunice Charles vont faire pour nous la lecture alternative de ce psaume. Psaume 19, à la gloire de Dieu. Psaume 19, psaume de David. L'assur raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point attendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à une époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi a reçu instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Réserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher. Et mon libérateur. Amen. Thank you.
Gardez ouvert vos Bibles. Nous allons faire la deuxième lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Et cette lecture sera faite dans deux passages. Le premier, c'est Romains, chapitre 5, les versets 12 à 15. Et le deuxième, c'est Romains, chapitre 6, verset 23. Pasteur Christophe Dorville fera pour nous cette lecture à la gloire de Dieu. Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul homme, d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à qui faire raison? La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Là, ça va être la lecture pour l'édification commune de vos âmes. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à la prière sacerdotale et nous allons chanter ce cantique que nous trouvons au numéro 93 du recueil des chants d'espérance, section française. Douce clarté dans la nuit qui m'enserre, dirige-moi, la route est noire et longue et solitaire, dirige-moi, brille à mes pieds, je ne demande pas à voir de loin, guide-moi pas à pas. Ah, je n'ai pas toujours désiré d'être conduit par toi, mais aujourd'hui j'ai retrouver mon maître, dirige-moi. Je reconnais mes fautes du passé, ô Dieu. Pardonne, ô pèlerin lassé. N'étais-je pas, même en mes jours de doute, conduit par toi? Revins, ravins, torrents,
en vain, barre ma route, dirige-moi, jusqu'à l'aurore où me seront rendus mes bien-aimés, un instant disparu. Nous allons chanter ce chant à la gloire de Dieu, mais ce chant sera chanté en une langue étrangère. Mais nous, nous allons chanter ce cantique en français que nous trouvons dans le numéro 93 du recueil des chants d'espérance. Chantons à la gloire de Dieu. Nous allons nous recueillir pour la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre Église, le tabernacle de Dieu de Long Island, pour notre pasteur, pour tous ceux-là qui œuvrent avec nous dans ce travail. Prions pour ceux-là qui sont malades. Oui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont malades, ceux-là qui sont à l'hôpital ou ceux-là qui sont chez eux. Nous allons vous demander de prier pour eux avec nos frères Paul Compère dans la prière. Ô tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et pour ton amour
Tu nous as gardé, Seigneur, tout au cours de cette semaine écoulée. Tu as pris soin de nous. Et nous voici encore ce matin en ta présence pour te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Nous péchons par pensée, par parole et par action. Mais dans ta grâce, Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton pardon et aide-nous chaque jour à vivre pour toi. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en ta présence en ce premier dimanche du mois d'octobre, le 10e de l'année 2022. L'année touche à sa fin, mais dans ta grâce, Seigneur, tu nous gardes toujours et nous voulons faire ta volonté. Ce matin, nous te disons merci pour ton Église, tabernacle de Dieu de longueur grande. Merci, Seigneur, pour ce ministère que tu as placé au milieu de nous. Merci pour ton serviteur dont tu as confié la tâche de mener à bien cette Église. Nous te prions, Seigneur, de l'aider, car tu connais ses faiblesses. Il ne jouit pas d'une santé excellente, mais jusqu'ici, Seigneur, tu l'as secouru. Accorde-lui ta grâce et fais de lui, Seigneur, cet ouvrier qui n'a point à rougir, mais cet ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants. Permets que toujours, Seigneur, cette famille puisse être un exemple parmi ceux, Seigneur, qui participent avec nous à ton Église, tabernacle de Dieu. Merci encore, Seigneur, pour tous les ouvriers qui travaillent à côté, Seigneur, de ton serviteur. Tu les connais mieux que nous. Ils sont partout à travers les États des États-Unis. Et nous savons, Seigneur, que tu es le seul Dieu qui puisse les assister. Ah, tu promets, Seigneur, à tous ceux-là qui travaillent pour toi, de leur garder, de prendre soin d'eux. Nous savons que l'Église tabernacle de Dieu ne peut en aucun cas, Seigneur, leur payer. Mais bien que toujours, Seigneur, ils puissent comprendre qu'ils travaillent pour Dieu et leur récompense sera grande dans les cieux. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour nos frères qui sont malades. Il y en a, Seigneur, qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont gardés chez eux. Mais là où ils sont, Seigneur, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ton assistance. Nous savons, Seigneur, que toi seul peux les guérir. Car David nous dit, Seigneur, tu guéris toute maladie. Aucune maladie, Seigneur, n'est incurable pour toi. Parce que tu as le pouvoir à les chasser. Permets au notre Dieu, dans leur souffrance, dans leur douleur, ils puissent comprendre que c'est ta volonté. Permets que ta grâce, Seigneur, puisse leur assister. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour notre cher pays, Haïti. Tu sais combien, Seigneur, ce peuple souffre. Nous n'avons aucun droit. Ô Seigneur, nous n'avons pas de gouvernement. Ah, quand nous regardons, Seigneur, tout ce qui se passe en Haïti, c'est vraiment triste, c'est vraiment décourageant. Le pays est bloqué, personne ne peut circuler pour vaquer à ses activités. Mais toi seul, Seigneur, tu connais jusque à quand ce pays peut être débloqué pour faire face à sa responsabilité pour prendre soin de ses concitoyens.
ce matin, ô Dieu, dis seulement un mot, car ce peuple souffre amèrement, il n'attend que toi. Mais nous voulons croire, Seigneur, que le jour viendra où tu diras un mot pour la délivrance de notre pays. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour les États-Unis d'Amérique. Nous te prions spécialement pour l'État de la Floride, qui, après ce cyclone dévastateur, a laissé, Seigneur, pas mal de personnes qui sont mortes. Mais, Seigneur, donne à ces citoyens la nécessité de comprendre, de te chercher, de faire ta volonté, car toi seul, Seigneur, peux t'apporter la paix, la consolation, ô Seigneur, que ce cyclone a laissé. Ce matin, ô Père, nous te prions pour le gouvernement, le président, ô les membres du Congrès, ceux-là qui sont à la Cour suprême, tous ceux qui décident de la destination de ce pays, nous te les présentons, Seigneur, sachant que toi seul peux le diriger afin de prendre de bonnes décisions pour l'avancement en Seigneur de ce pays. Nous te prions pour Israël, ce peuple dont tu as choisi depuis Abraham. Permet, ô notre Dieu, que la paix puisse régner dans ce pays. Nous te prions, Seigneur, pour l'Ukraine. Depuis tantôt 9 mois, ce pays est en guerre avec l'Union soviétique ou la Russie. Nous te prions, Seigneur, de faire comprendre à ces hommes qu'ils ne sont pas puissants tels qu'ils croient, mais permet, ô notre Dieu, que tu puisses apporter la paix, car trop de gens meurent sans raison. Nous ne savons pas trop pourquoi que les hommes sont si tellement méchants. Mais Seigneur, dis seulement un mot. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, l'Église universelle. Cette Église, Seigneur, dont tu viendras chercher très bientôt. Seigneur, nous n'attendons que toi. Permets, ô notre Dieu, que nous puissions vivre pour toi. Donne-nous encore ce matin le message que notre âme a tant besoin. Nous savons, Seigneur, que la mort, le péché règne dans le monde. Mais donne-nous, Seigneur, une parole de consolation. Permet que cette grâce puisse surabonder sur nous, afin que toujours nous puissions vivre pour toi. Si vide que nous sommes entrés ici pour te louer, mais permet qu'en sortant d'ici, nous puissions dire certainement, tu étais là, sœur de ton serviteur, parle à travers lui, car malgré ses préparations, il ne sait que dire, mais toi seul, Seigneur, connais les besoins de ton peuple ici réuni. Accorde-nous cette grâce, car nous t'en prions, non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Avant d'entendre Pasteur Falange dormir dans les salutations d'usage et les annonces, nous allons entendre Frère Wilkinson cessant dans un solo à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur dormir nous reviendra.
lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my Jésus-Christ, nous vous saluons tous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons les pays de l'Amérique, de la Caraïbe, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie qui se retrouvent sur le net et qui glorifient
avec nous, notre Dieu. Nous saluons tous les visiteurs et nous voulons ce matin prononcer une bénédiction sur tous ceux et celles qui fêtent en ce mois d'octobre un nouvel anniversaire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, après la prédication de la parole de Dieu, nous aurons la joie de célébrer encore une fois la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par la Sainte Cène. Donc, ce sera pour nous une occasion spéciale puisque le Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne ». Au cours de la semaine, de lundi à jeudi, nous serons avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, et si le Seigneur le permet, nous aurons encore une fois les études bibliques. Samedi, et c'est le jour mis à part pour notre réunion de prière. Et dimanche, Dieu voulant, nous aurons encore une fois notre service d'adoration et de louanges à Dieu si le Seigneur tarde à venir. Comme nous le disons dimanche après dimanche, nous avons la responsabilité de prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour les malades. Nous devons prier pour nos frères et nos sœurs, d'où qu'ils soient sur la terre. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, souvenez-vous dans vos prières de notre bien-aimée sœur Gladys, toujours hospitalisée, qu'il plaise au Seigneur de la toucher et qu'elle recouvre sa santé première. Priez pour tous les autres, priez pour Haïti, priez pour les États-Unis, priez pour Israël. Et ce qui est de beaucoup plus important, c'est que nous devons nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à entendre la parole de Dieu par pasteur Sam Robert. C'est un habitué. Il est un pasteur pour nous aussi. Et avant de l'entendre, nous allons pouvoir auditionner une chorale en ligne qui va chanter pour nous « Que mon cœur chante ta grâce ». Et juste après, pasteur Sam Robert viendra pour nous parler de la part de l'Éternel. Amen.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La paix, bon Dieu, avec l'Église, nous. Jésus-Christ là. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Amen. Encore une fois, nous dit Seigneur, un grand merci pour l'opportunité de nous pour nous partager la parole. Moi, je voulais remercier très sincèrement le diacre Jean-François. Moi, content de la façon que était dirigé ce service-là, façon que mon Dieu t'a servi avec lui, façon que il était fait toute bagarre. Frère Jean-Marie François, moi, vraiment apprécié le travail. Moi, remercie tout le monde qui a participé, sur Bouzil, frère Compère, frère Hawkinson, et tous les membres de l'Église là. Seigneur, fais-nous grâce et nous devons profiter de grâce là, mais en bonne façon. Nous vivons un temps côté tout bagaille vient cher. Tout bagaille monté, nous avons dit dans bon créole. Inflation, mot français, c'est qui à la mode. C'est aussi. Tellement bagaille vient cher, ou bien l'impression que l'heure où on est dans le marché qu'on y a, ou sorti avec moins bagaille et ou paye plus comme. Et c'est ça lié. C'est pas l'impression. C'est ça, c'est vérité à ça. Pendant que tout bagage monte, salaire n'a pas monté lui-même. Ou même s'il monte, il n'est pas capable de répondre à ça que nous avons besoin vraiment. Phénomène inflation, son phénomène économique lié, monde qui n'a pas maintenant mieux placé que moi, connaît qui ça, qui j'en l'a crasé en pile monde. Panier de la ménagère, non pas capable de ça. Le monde rentré, nos boutiques, nos marques, nos stocks, on y a des bagages qui viennent tellement cher, on demande est-ce qu'on fait un café? C'est dans ce moment où on te voyait un petit coup de vie devant moi et on te partage avec un petit coup de vie pour pas se dormir. Il y a un monde qui a bien compte un marchand de pistache parce que lui m'a acheté 15 gouttes de pistache, il mettait dans le plat, mais il me contrôlait, moi il y a 12 graines. 12 graines de pistache pour 15 gouttes. Quand on a dit, madame, on a eu courage pour bam, si cal pistache ça pour 15 gouttes. Madame, on a dit, ma 20 pistache de le pistache qui est 10 cob. Non, so m'ba ou c'est ça le beau aujourd'hui. Non, on a une situation côté, madame, qui j'en absorbe. Monnaie, l'argent vient déprécier, pas une valeur. Sans te connaître les oreilles bouillées, c'est qu'on a pour les oreilles bouillées. Yon hausse, yon montée générale de prix, tout bagage, yon déséquilibre. Entre demande, l'offre, il y a un déséquilibre en biens et services qui sont disponibles sur le marché. Non, augmentation, inflation, c'est moi qui est à la mode. Gasoline, qui est un produit qui est transversal, je vous dis là, vient cher de tous côtés. Et ou pas aborder en rien, sous pas une corbe dans le chou. Prix, machine, prix, tout bagaille, c'est vraiment ce site là, tout bagaille net, vint cher. Dernièrement, il y a un monsieur qui a passé son côté, il a dit, lui, il y a un pompe qui est marqué, free gas tomorrow. Et puis, monsieur dit, oh, j'en ai besoin de faire gaz, demain, il y a un gaz à son côté, je vais arranger là, là, monsieur, il y a une ligne tellement longue, mais ouais, mon nous passé, il n'y a pas arrêté, il n'y a pas fait gaz, et puis, le courant rentre dans le problème, on est. Mais problème, ça passe, on a dit free gaz tomorrow, nous venons aujourd'hui à nous parler de gaz. Je dis oui, c'est tomorrow. Chacun a venu là tomorrow. Free gaz là, chacun paraît là tomorrow. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est tomorrow. Donc, pas de rien qui bon marché, vrai, pas de rien qui gratis encore. Cependant, pendant que tout bagaille a monté, pendant que tout bagaille a frappé par l'inflation, pendant que l'économie a subi une augmentation dans tout bagaille, gagne au moins dans la Bible 5 bagailles. Il dit qu'à plus vite, même choisir 5 pour ne pas encombrer trop. 5 bagailles qui ne peuvent jamais monter. Ou bien, on dit que priorité même, gagne là, ne peuvent jamais monter, gagne priorité même. 5 bagailles. On nous regarde ensemble pour nous dire exactement qui ça, Seigneur, vous qu'on est aujourd'hui. Maintenant, de façon de vendre d'Asie, première mettez-le comme ça, c'est Romains 6, 23, c'est salaire péché.
ça leur péché, pas jamais ni monter, ni descendre, l'irrité, même quoi, même prière. Le salaire du péché, c'est la mort. Les papes jamais changé. Je suis allé dans le bureau 11 ans, mime, et puis, moi, je marqué ça dans le bureau. Et puis, depuis lors, ça fait plus que 10 ans, ça fait marqué l'esprit, moi. Ça fait plus que 20 ans, j'étais à Haïti. Je marqué dans le bureau, le salaire du péché reste le même. La mort. Malgré toute bagarre augmentée. Malgré toute bagarre a venu bien l'autre valeur sur vous. Mais ça, le salaire péché était même bagarre. La mort. Ou vous me faire sauver. Sou pa gagner Christ dans la vie, ou, sou pa couvrir avec le sang de Christ, ou a payer cher salaire péché. Nous pas prêter sous lui pour qu'on ne nous dira salaire péché c'est la mort. Deuxième bagaille que prix rete maintenant et qui toujours gratuit lui-même, salaire péché il est pas gratuit, ça c'est le gain la mort là dedans. Mais ça lui-même il est gratuit, c'est la sagesse. Dans Proverbe chapitre 2 verset 6, Salomon dit, l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. L'Éternel donne la sagesse. Il n'est pas faut payer pour ça. En plus, quand nous confondons sagesse avec monde qui paraît apparemment doux, mais ce n'est pas ça que sagesse. Sagesse, c'est monde qui fait distinction entre des bagailles. C'est monde qui est capable de mettre le pour et le contre, monde qui est capable de distinguer le bien et le mal. La sagesse qui sorti dans le mot philosophia, philosophie que nous avons amis de la sagesse. Monde qui est vrai philosophe, c'est monde qui est sage. Et monde qui est sage, c'est monde qui est contraire avec mettre la baillot la sagesse d'en haut. Dieu donne la sagesse. Ou pas payer pour ça, il est gratuit, il est toujours gratuit. Encore dans Jacques chapitre 1 verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne, ou pas pour payer, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça le péché, c'était même prière, l'amour. La sagesse, il est toujours gratuit, ça fait deux. Qu'un troisième bagage qui a toujours été gratuit et mon Dieu disposé pour bailler toujours gratuitement, c'est Actes chapitre 11 verset 18. N'a bien la donne Actes chapitre 11 verset 18. On découvre lui-même. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. La repentance est gratuite. Bon Dieu, bah, même les païens, possibilité. La repentance, mon réclame, métamélomai, qui fait un double, fait un vol de face. Vous avez parlé dans un sens, ou camper, vous dites, sans me balayer, n'est pas bon. Je dirai, dans demi-tour. Je retourne sur moi-même, je fais une autre route. C'est ça, les repentances. Les gratuites. Chaque jour, levé, il y a des bagages ou fait. Et puis, bon Dieu, toujours attendre ou repentir de vous. Et gratuitement, il y a encore de la repentance. Le salaire péché est toujours la mort. Il ne va jamais changer. La sagesse est toujours gratuite. Bon Dieu, il y a monde qui veut. À monde qui veut. Monde qui m'a dit, la balle. La repentance est aussi gratuite. Même pour les païens. Bon Dieu, il y a gratuitement. Quatrième bagala, vous connaissez, dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est aussi gratuite. La foi, pour nous croire dans bon Dieu pas fait nous payer pour nous croire dans lui. Bon Dieu pas demander nos valeurs, une somme pour nous croire dans lui. Là, toujours été même genre. La foi est gratuite. Elle est gratuite, même gens avec la sagesse, même gens avec la repentance, pas même gens avec le salaire qui n'est pas gratuit lui-même, qui gagne un prix, c'est la mort. Mais il a toujours été même prix. Pas d'inflation pour lui-même. La foi
dans Philippiens chapitre 1er, verset 29, qui dit, cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire en lui, il fait nous grâce pour nous dire, croyez dans mon Dieu. Pour nous croire dans lui, à toute force nous. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Nous pas payer pour ça. Nous seulement croyons dans bon Dieu, et puis nous voyons bagaille agir, bagaille a fait pour nous. Nous seulement mettons la foi dans bon Dieu. La foi, et on a autant de définitions, on fait un peu l'expérience de la foi. C'est encore hier soir, il y a des amis qui sont au groupe qui racontent qui gens puis qui passe de la cali tabac et puis ils ont groupe n'est pas deux n'est pas avec gros âmes ils descendent du nouveau barrière si c'est pas pour le monter c'est pour le défendre mais j'ai gros âmes dans main mais dans cœur l'appel de Jésus il dit monsieur je pas qu'on veut marier à il dit monsieur je pas qu'on veut marier il dit m'a dit pas là je pas qu'on veut me joindre il dit je pas qu'on veut marier à nous je pas capable. Et pendant que M. a fait résistance avec lui, je dis, il paraît ça fait négocier parce que Néo a gros amas dans la main. Et c'est comme ça que la machine a passé, Néo a machine tout le monde courir. Mais les gens comprennent que non seulement c'est la foi l'homme de sauver, mais c'est le dernier bagage que nous avons, c'est grâce que bon Dieu fait. Et c'est avec la fin. Salaire péché était même la mort. Pas gain inflation, la donne même. La sagesse est toujours gratuite. Bon Dieu, baille à monde qui voulait. Deuxièmement. Troisièmement, la repentance. Bon Dieu, baille même les païens. La repentance est toujours gratuite. La foi est toujours gratuite. Bon Dieu, accorde la foi. Pourquoi en aller encore? Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils augmentent un bagage que vous avez gagné déjà. Ne pas augmenter un bagage pour vous gagner. La foi, bon Dieu, a augmenté, disciplement du Seigneur, pour augmenter la foi que vous avez déjà gagné. Il baille gratuitement. La baille augmentation, ça gratuit. Il n'y a pas d'inflation, il y a une augmentation. Il seulement mettez sur lui pour qu'il croie dans lui. Mais pas faut payer le pichet. Il va faut payer en plus pour ça. Et dernière, j'aime bien entendu lui, c'est la grâce. Le salaire péché, la sagesse, deuxièmement, la repentance, la foi, et cinquièmement, c'est la grâce. La grâce, depuis la nuit des temps, toujours gratuite. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, c'est la première fois dans la Bible, le mot grâce va l'utiliser. Genèse chapitre 6, verset 8, il dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Les hommes deviennent méchants, méchanceté a augmenté, a accru, et bon Dieu était chita sur le trône, il garde méchanceté les hommes, et puis il fait noyer à famille grâce. Il fait noyer à famille grâce et détruire tout le monde. La grâce. La grâce. Je dis à la vie de la grâce par la grâce. Qui est gratuit, un don gratuit de Dieu. Vous pouvez lire dans nous pas traiter sur lui. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous jouons la foi. C'est par la grâce que nous jouons la repentance. C'est par la grâce que nous jouons la sagesse. C'est par la grâce, mon Dieu, pas détruit nous pour péché que nous défait. C'est par la grâce. C'est par la grâce que matin levé là, ou qu'on n'a pas le manger. C'est par la grâce qu'on connaît le monde pas qu'à venir attaquer au côté chita la kaoula, côté à côté par ça là. C'est par la grâce qu'on va vivre, je dis, même si le monde troublé, même si il y a tout côté, mais ou même, ou qu'on s'y coin de paix, ou était là. C'est la grâce. Est-ce qu'on connaît prendre pour acquis? Jean regarde à dire, as granted. Non! C'est pour réfléchir pour elle. C'est grâce, bon Dieu, qui fait en sorte que la guerre pas arriver. C'est grâce, bon Dieu, qui fait vivre aujourd'hui. C'est grâce, bon Dieu, qui fait
Corona pas allé avec vous, non, mais pas tout le monde qui prend vous. C'est grâce à mon Dieu qui fait au bon droit, vous caille, vous arrêtez pendant que vous avez dit, vous pas jamais demandé de vous poser vos questions, ça. Tout le monde sait qui est là, vous me laissez des vérités. Mais quand vous faites, l'esprit est dit. Il y a le chef de terre, le chef de terre pas capable de tout. Il y a un petit groupe abdomen en bas, il y a un petit groupe abdomen là, oui. Grâce à mon Dieu, vous avez caille, vous avez pour été. Jacques, Jean, chapitre 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Jean, chapitre 1, verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. La grâce d'avoir recevoir chaque jour. La grâce, nous pas capable contrôler. La grâce, incommensurable, innombrable, ou pas capable contrôler du tout. Nous avons recevoir chaque jour. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. » Il fait grâce aux humbles. Bon Dieu, fais-nous grâce. Nous jouons de grâce là. Nous chantons grâce là. Mais est-ce que nous rendons compte, en plus fois, nous gaspillons grâce, mon Dieu. Nous manquons faire la gloire, bon Dieu, retentir, rayonner pour grâce-lui. Pour ça, pour merveille. Et ça vient toujours reprocher Israël. Et ça sera encore la reprocher l'Église, les Jodia. Et ça va reprocher vous-même particulièrement. Moi-même particulièrement. La grâce de Dieu. Nous levons matin, nous assurer dans la zone de confort, nous, que rien n'est pas arrivé. Nous levons matin, nous répéter, nous assurer que manger midi, nous déjà là. Mais il y a des gens qui n'ont pas mangé hier. Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis avant hier. Et qui pas manger encore aujourd'hui. Hein. Nous assurer que si nous avons n'importe qui problème là, nous faisons 911 et on voulait savoir pendant la caille. Nous avons des gens qui non seulement pas de ambulance, mais pas de l'hôpital même. Et nous avons pendant cette semaine, plusieurs hôpitaux ont fermé dans le pays. Nous. Et même ça qui est ouvert, nous n'avons pas d'accès employé, nous n'avons pas d'accès pour arriver là-dedans, voire pour maladie. Mais nous-mêmes, deux coups de fil. Non seulement nous jouons médecin, mais nous jouons guérison même les fois. Grâce sur grâce. Est-ce qu'on dit bon Dieu merci pour ça? Nous avons même qui s'est fait l'être faire quand il est sorti à Haïti, il y a plus que 20 ans. Il était madame, non, petit garçon. Et monsieur était en avocat de pays. Monsieur ferme le cabinet. Il est venu ici avec l'idée. La ville font 2-3 ans d'études, la porte en Haïti. Mais il remarque que chaque année, il est plus grave. Et là, madame, monsieur, avec petite ligne entrée, après 2004, monsieur, il me dit ça, mon cher, je ne regrette de venir. Parce que moi, c'est grâce, mon Dieu, qui retire mon pays, ça. C'est ce qu'on dit, mon Dieu, merci pour ça. Qui ça nous fait de bien, de bon, qui ça nous pas périr déjà? Pendant que je parle avec moi, quand écoutez, me dit, Matissan, non seulement au boulet, mais au chasse, tout le monde qui est là-dedans, mais même moi, sur moi, nous déjà vivre Saint-Domingue. Bon Dieu, fais-nous grâce, je dis. A fini pour mettre un tête. Profitez grâce, mon Dieu, dans leur façon. Jouez dans leur façon. Je vais me lever avec une tristesse pour le pays d'Haïti. J'ai un frère complet de dire ma prière. Je pense à un pays. Ce pays que nous aimons charnellement, ce pays qui nous a vu grandir, nous a vu naître, ce pays que nous rêvons retourner à demain, nous parlons qui gens. Mais bon Dieu, fais-nous grâce, nous deuyons, mais on nous pense à mon qui est là-dedans. On nous pense à frère, nous tous, nous avons un cousin, une cousine, un frère, une madame, nous avons une côte, nous avons un bout de côte qui est dans le bois, nous avons l'autre monde. Qui a souffert, bon Dieu, fais-nous grâce. Pas jouer pour contre nous. Pense à l'autre monde. En fait, fois, nous confondons pitié, miséricorde avec grâce, mon Dieu. La grâce est plus que pitié, plus que miséricorde. Comme illustrer le beau. T'as dit, on me souhaite une petite fille,
très grave l'hôpital. Pendant la fait monter descendre l'hôpital pour son petit là, c'est comme ça madame qui est malade tout. Il y a deux monde l'hôpital en même temps. Et docteur ballon prescription, deux prescriptions, il dit jodi a sou pas exécuter prescription ça yo, moun ça yo ka mouri. Et monsieur ça prend machine ni, la cherche une pharmacie qui pi près pour gè faire courage acheter médicament. Nan courir des pharmacies. Il se passe son lumière rouge sans pas en rendre compte. Heureusement, il n'y a pas d'accident. Mais il y a une police qui partit d'elle. Et la police a arrêté, monsieur. La police a dit, monsieur, comment c'est, on repasse la lumière, on repasse un moment de lumière rouge. Je dis, police, non, ça n'y est là, on ne peut pas avoir la lumière. La police a dit, mais qui soit, monsieur, expliquez la police, mais deux médicaments sont mal achetés. Madame, à l'hôpital. Je dis, à l'hôpital. Je suis prêt pour mourir. Si je ne passe les médicaments, je connais à mourir. Pour les sortes que bon père de famille, il comprend la situation, monsieur, il dit, monsieur, ok, je ne vais pas beaucoup d'avancer, je comprends la situation, non, ou mettre à aller. Il met à aller, il fait, monsieur, il y a pitié, il y a miséricorde pour lui comprendre. Mais pendant monsieur pour aller, fin start machine pour aller, pour les dit, monsieur, dis une situation, non, encore. Dis une situation, non, c'est que madame, parce que mourir, petit, on va se mourir à l'hôpital. Et faut m'acheter un médicament, ça y est, on y a. Police a râlé, bousli. Il veut me râler en somme. Il dit, monsieur, mais achetez un médicament. Ça, c'est la grâce. Au lieu que tu aies le ticket, que tu aies mérité, il a balé l'argent pour l'acheter un médicament. Ça, c'est la grâce. Au lieu de nous taper pour un ticket pour ça nous fait en Éden, bon Dieu, non seulement. Que pitié pour nous, mais il va nous la vie éternelle, le don gratuit, il va nous la grâce, qui va jamais monter, qui a toujours été gratuite, même prière. Ça fait nous chanter, toute grâce, bon Dieu, c'est pour grémisser. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grémisser. En pile pour nous chanter aux merveilleuses grâces. Mais, nous ne comprenons pas notre chanter, pitié nous chanter dans la créole là. Mais aux merveilleuses grâces, moi, j'aime Paul Zah qui dit grâce sans fond ni rive. Tout soit plongé, descendre la donne, ou à privé, ou pas jamais jouer en balle. L'abîme n'a pas de fond. Et tout soit nager pour sortir la donne, ou pas jamais jouer en rive, en plage. La grâce n'a ni fond ni rive. Et puis, ma bon créole là, nous dit l'hypogrémessie. L'hypogrémessie, la grâce de Dieu. Il ne va jamais monter. Il ne peut jamais descendre. La grâce de la prêter même prière. Longtemps, longtemps de cela, nous tenons l'orgueil. Nous t'as fui la grâce. Nous t'as allé contre la grâce. Nous t'as lutté contre la grâce. Mais bon Dieu, dans harmonie, fais-nous grâce. Bon Dieu, dans harmonie, comprends-nous. Bon Dieu, dans harmonie, les retirer ça, les péchés pour nous. Li ba nous la sagesse pour nous comprendre. Li fait nous faire l'expérience de la repentance. Li ba nous la foi. Et ça, tout soit sorti par la grâce. Gagné Francisco La Cueva. Francisco La Cueva, c'est un ancien prêtre catholique qui vit dans un pasteur. Monsieur écrit plusieurs livres. Et il y a un livre qui titre Quelle est la grâce. Monsieur gagné une phrase que dit dans le livre, ça que moi-même en pile. Je dis la grâce, c'est un fil en or qui coude. Toute théologie, toute doctrine qui gagne dans la Bible. C'est un fil en or, la grâce, qui relie toute théologie gagne, toute doctrine qui gagne. Ou tu vas dire la sanctification, ou tu vas dire l'amatiologie, ou tu vas dire l'hématologie, ou tu vas dire quelque soit la doctrine, non. La grâce, qui relie tout ensemble. C'est la grâce qu'il faut lever matin. Hein? C'est la grâce qu'il faut garder ou attendre. Matin là, oui. C'est la grâce qui faut qu'à bouger matin. C'est la grâce qui fait, c'est pas un monde qui fait toi l'autre qui bien, mais c'est au qui fait. C'est la grâce. Il n'y a pas jamais monté. Il a toujours été gratuit. On aurait été ensemble dans la grâce de Dieu. On nous vive de la grâce de Dieu. La grâce fait nous joindre, expérimenter la foi. La grâce fait nous expérimenter la repentance. La grâce fait nous expérimenter la sagesse. La grâce épargnez-nous, ça les péchés à qui c'est l'amour. L'autant, on devait être dans l'orgueil. Battre-moi compte, Seigneur, m'a crucifié. Battre-moi compte, c'est pour moi, sans le couler sous bois calvaire. Mais toute grâce-lui,
te pour grand merci. Parole bon Dieu te montre mes péchés, les moi la foi, la loi, moi te tremblé. Juste prendre nom coupable moi que virer bon bois calvé. Connais moi rendre Christ tout le bagage. Connais c'est pour les ma travail. Connais c'est remercier maman baille pour bois calvé. Et quatrième coup là te m'ramener en pile. Oh l'amour qui te fait plein salut. Oh la grâce qui te fait venir. C'est pour péché moi Christ souffrit sous bois calvaire. À nous vivre de la grâce, à nous rester dans la grâce, à nous penser à ça qui pour faire l'expérience de la grâce. Et si ce matin, ou toi souligne, vous pouvez expérimenter ce don gratuit, la grâce qui va le produire devant la vie éternelle. Commencez à penser à la vie, ou commencez à penser à la grâce ça. Qui ont le les papes gratuits encore, qui ont le les papes là encore, gon le bagage pas changer bien. Mais pendant là, on nous profite de lui. La grâce, la foi, la repentance, la sagesse, ça les péchés, il y a peut-être même prière. On nous profite de grâce, mon Dieu, qui est pour grand merci. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu accorde grâce pour une bonne journée, une bonne semaine, et un bon mois, et une bonne fin d'année. Mon Dieu bénisse. Amen, amen. Nous disons Dieu merci pour grâce qui fait nous matin, pour nous des paroles, ça, que vous voyez. Ben nous, par le biais de son serviteur, pasteur Sam Aubert. Parole là, t'es parlé dans un langage clair, précis et concis. Et nous croyons que nous tous qui t'aillons là, soulignons, nous tendons et nous comprenons qui ça qui t'est dit matin. Oui, soit vivre, c'est par grâce. Et chaque jour, ou doit, ben bon Dieu, gloire, honneur, louange pour ça lié pour vous et pour ça le fait pour vous. Nous prenons chanter ça que pasteur Sam t'a annoncé, c'est le numéro 62 qui est dans le chant d'espérance, section créole. Longtemps, moi, t'ai été dans l'orgueil, moi, pas rendre moi compte, Seigneur, t'ai crucifié. Ne pas te connaître, c'est pour moi, sans couler, sous bois, calvaire. Et c'est sœur Marie Bozil qui a introduit nous dans la musique ça, dans le chant ça. Et nous pourrons chanter, et après quoi, nous pourrons retourner à Pasteur Dormé pour le service de la Sainte Seine. Que bon Dieu bénisse. Amen. Longtemps, moi, t'ai resté dans l'orgueil. Battant contre Seigneur, t'es crucifié. Battant connaissez pour moi sans couler sous bois calvaire. Tout grâce, mon Dieu, t'es pour remercier. Jésus, t'es pour moi tout part dans l'île. Moi qui t'ai troublé, joigne la vie sous bois calvaire. Parole, bon Dieu, t'ai montré mes péchés. L'homme, ouais, la loi, moi t'ai tremblé. Jouk ton âme coupable, moi t'ai viré. Baboua calvé. Tout grâce, mon Dieu, t'es pour remercier. Jésus, t'es bon, moi, tout pardon, non, moi qui t'ai troublé, joigne la vie sous bois calvaire. Kounyeya, moi rend Christ tout bagay. Kounyeya, c'est pour l'imap travail.
kounye ya, se remersiman, map bay pou bwa kalve. Tout kal bon Dieu fè pou remersi. Jésus te ban mwen tout pardon. Te fèm konè. Se sa mèm mwen te montre nou tou. Jou lan mwen ki yo te trahi la, Seigneur Jésus te pran pain. Lè fin di bon Dieu merci, li kasèl. Et puis li di, sa se kòm. Se pou nou liye. Se pou nou fè sa, pou nou ka chanje mwen. Kon sa tou, après il fin manger, il prend godet divin, il dit yo, godet ça, c'est un nouveau contrat bon Dieu fait avec nous, non sans moi. C'est pour nous faire ça chaque fois, n'a bois la dans, pour nous qu'à changer moi. C'est comme ça, chaque fois n'a mangé pain ça, chaque fois n'a bois dans godet ça, c'est le mot Christ là, n'a annoncé, je que Seigneur a gué pour venir. C'est peut-être ça. Si le monde mange pain ça, ou sinon li boit dans godé Seigneur un gens qui pas convenable, on ça coupable parce que les péchés ni contre corps Seigneur ni contre sang lien. C'est pour chaque monde examiner tête bien avant. C'est comme ça, il y a mettre manger pain ça, il y a mettre boire dans godé ça. Si le monde mange pain ça, s'il boit dans godet ça, ça n'y pas reconnaître rapport pain ensemble à divin gagné avec conseiller, c'est râler la râler, y a un jugement sous tête lui. Elle a mangé pain ça à clé, la boit dans godet ça. Parole bon Dieu. Amen. Les Jésus mourit sous calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Moi, demande messe que m'a connaît. Combien moins doué.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, même qui nous réunissons pour tout le temps, ou même qui te fait plan salut pour les hommes à cause de péché Adam et Ève, et on est d'accord avec Jésus-Christ qui est dans la place nous pour pardonner le péché. Et après l'emboline, les réunis avec les disciples à plusieurs reprises. Il y a une annonce que j'ai faite, l'été de l'œuvre était mourir. Il te dit, pas penser à manger lui et partager entre nous, parce qu'il ne va pas manger avec nous encore, jusqu'à ce qu'il va manger avec nous dans le royaume papa. Il te dit, ça c'est le symbole col qui vient vous déchirer à la croix pour ne pas nous pécher. Merci pour le sacrifice calvaire là. Merci pour la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour la vie que nous vivons à travers Jésus-Christ. Merci pour le moyen de réconciliation qui veut établir entre nous avec vous par moyen de sacrifice calvaire. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, qui va participer et qui va prendre un sac qui fait ce bon corps qui est déchiré à la croix. Il peut être que nous rappelons de faire pour nous rappeler de la mort et de la résurrection. Car on parle tant bon encore, là on vivant au siècle des siècles. Bénis Père et bénis chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus, et nous avons vu qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Symbole corps Christ qui était déchiré sous la croix au calvaire pour le pardon de péché moi-même avec vous. Seigneur a dit, nous fais ça en mémoire de lui-même jusqu'à ce que lui va retourner. On nous mangeait pain ça. Et là, mon bon Dieu, qui était manifesté dans petit lit Jésus-Christ, capable de remplir le cœur, non, depuis qu'on y a, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même, il va retourner. Amen. Père Céleste. On dit au matin merci
nous merci qui sortit du plus profond de nos cœurs pour la grâce que vous faites à chacun de nous sous toute forme. Au bas nom petit tout Jésus-Christ qui allait à la croix, qui versait sang et qui lui-même payait pour que aujourd'hui nous capables de gagner le salut. Permettre que nous comprenions, ô notre Dieu, ce sacrifice consenti, que nous ne payons pas rien pour lui, alors que nous allons bénéficier la vie et la vie pour toute l'éternité. Permettre, ô notre Dieu, que nous comprenions, sans ça qui t'écoulait, qui lave nous, qui purifie nous, et qui fait de nous monde que nous déjoutions. Nous prions, ô notre Dieu, prends divin ça, le symbole sang qui t'est versé à la croix pour chacun de nous, fait que nous prenons avec action de grâce et en toute reconnaissance. C'est prière que nous adressons. Dans nos petits tout Jésus-Christ, les mêmes cap vivre et cap prier depuis qu'on y a et pour toute l'éternité. Amen. Moi, divin ça, c'est un symbole. C'est un symbole sans Christ qui te est versé pour nous à la croix au calvaire. Il dit nous, c'est pour nous faire ça, pour nous capables de songer. En nous, bois divin ça, et la paix que Jésus-Christ lui-même baille, que l'évangile pour tes banons, capable de remplir le cœur, nous, depuis qu'on y a. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. Amen. Chaque fois que nous mangeons pain ça, à chaque fois que nous boisons pain ça, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce que il va retourner. Seigneur, c'est gado moi. Moi pas chambre manquer rien. Côté zèbre pi belle, c'est là. Lui fait me prendre repos. Côté de l'eau couler poser, c'est là. Lui mène moi. Lui fait me prendre force. Lui fait marcher dans chemin droit pour sa servir. Yon l'orange pour non lui. Même si m'a passé dans une ravine côté qui fait noir en pile, moi pas peur rien parce que Seigneur, ou là avec moi. C'est bâton ou à gorou qui fait qu'elle m'a cassé. Ou parler yon table pour moi devant j'ai toutes les mémios. Ou recevoir ou faire qu'elle content. Ou bon tout ça me besoin. Oui, moi connais, ou toujours un même. Ou toujours bon pour moi.
toute la vie. C'est la calme m'a prêté tout le temps. Tout le temps. Amen. Béni corde qui m'arrive. Que non. Non. Oui, béni corde qui m'arrive. Que non. Non. À mon Christ. Bien-aimé en Jésus-Christ, il était bon pour nous d'être ensemble encore matin par devant le trône de la grâce pour nous exprimer tout ça que nous avons sous cœur nous et en même temps pour nous t'étendre parler au cœur de chacun de nous au-dessus de la voix de son serviteur le pasteur Sam Robert. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, après la bénédiction, nous va chanter un cantique.
pour tout ça bon Dieu fait pour nous. Et nous pas payer en rien. Nous pourrons chanter à sa gloire nos cantiques pour dire merci, merci, merci Seigneur. Ce cantique sera interprété par un frère juste après la bénédiction, avant les salutations. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Ça fait me comprendre, ou toujours avec.